T'es en face. Alors du coup tu vas dans la partie, si je dis pas de bêtises, et tu dois avoir à droite une option qui te permet de voilà, exactement. Manu, tu l'as fait aussi du coup? T'es déjà en train d'enregistrer là? Ouais. Ok. C'est le moment où il faut arrêter de dire des conneries. Allez, ça diffuse. Comment t'es en direct? Je sais pas trop. À 3000 viewers à chaque fois. Non, la dernière fois, il y en avait 5 ou 6. Puis ça m'est arrivé d'en faire 10, 12, ça dépend. Il s'inquiète parce que quand il joue, il raconte un peu sa vie, il parle à sa meuf, tout ça, il voudrait pas trop qu'il y ait des détails. Tant qu'il parle pas à son chat, ça va bien. Je parle à mon chat. Non, je t'assure, c'est moins choquant. Aïe, 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 aïe. Et ouais, donc du coup, j'ai mis le téléphone et il a redessé son troll tout à l'heure. Il m'a dit, mais il me dit, les autres ils me plaisent moins que vous. En fait, là, c'est les autres qui existent. Et en fait, il m'a dit, ouais, les autres me plaisent moins que vous. Ils ont l'air moins solides financièrement. J'ai moins de garanties. Alors, je sais pas d'où ils sortent on est solide, on ne sait toujours pas si on aura les économies. Et il me dit même au. Ouais, c'est ça, on doit avoir l'air. On doit avoir l'air que t'es fric. Du coup, il me dit ouais, je préfère vous le faire. Même si oh là on là. doit être un peu plus flexible sur le prix, même si. Voilà. Oui, il a trop baissé son stock. Après, il m'a dit, ouais, j'en profiterai demain pour contacter le menuisier, parce que vu qu'on a dû recommander du bois pour la terrasse, on peut peut-être éventuellement vous construire un petit cabanon, comme ça vous aurez des rangements. Voilà. Et aussi, attends, c'est ça. Il m'a dit aussi que il allait probablement nous lâcher la place de parking. Ouais. Je suis mort 4 fois. Ah non, mais c'est ouais, hyper violent cet assaut épique là. Non, mais c'est bien, je m'en fous en fait, parce que je fais de la merde, j'ai tendance à oublier que c'est de l'épique, tu sais. Alors que tu peux pas l'oublier, hein. Ah ouais, non, là c'est. La mitrailleuse lourde en réalité. Ça tape sévère. Aïe, aïe, ouais, là je mourus un peu. Après, j'utilise pas les bonnes armes. Le fusion est bien pratique là. Hein. Le sniper aussi. Ça a bien claqué, ouais. La petite claque aux fesses là. C'est pas mal. Cartez la tête. Gloire à Cthulhu, gloire à Cthulhu. Ça va, oh Simon? Là là, le trichot. Ouais. Efficace. Ouais, la grenade est efficace. C'est la grosse classe d'avoir un clan en fait. C'est bien ah cool, bon ouais. Ben, en fait, ça s'affiche à côté de ton nom et en PVP, oh, tout à l'heure, même les gars le font, ils n'ont pas forcément de plan. Et du coup. Tu dégages, Yann, parce que non, tu n'as pas. Dégage. Et ça va, Simon, tranquillou. J'ai aussi. Qui c'est qui lui a mis ça là? Ah, c'est Itac. Mon patron. Genre coincé le dos, genre sévère, il avait des douleurs dans la tête et tout à cause des cervicales coincées. Des douleurs pris, dans la tête. Ces quatre lieutenants sont là. Et on va éliminer toute sa garde.
Et du coup, il était pas là, il était là. Alors attends, ça se gaffe. J'ai pris mes petits doigts et je me suis monté ainsi. Il y a un site. Pour l'instant, il n'y a rien dedans, mais c'est un site. Voilà. Voilà, on est mieux, on est mieux. Essayez de pas les casser vos chars là, parce que en fait le boss il se fait avec les chars. Ouais. Et c'est bien d'en avoir au moins un, si possible deux, enfin, genre un rechange quoi. Et ben ce qu'on peut faire c'est en laisser ici et revenir les chercher au pire. Ça peut être pas mal. Genre là. Qu'est-ce que tu me racontes Simon, alors comment, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Ils sont combien? Les jaunes, il y en a deux. Ils sont pas contents. Enculé. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est? C'est parce que les deux, ils envoient C'est pas vrai. Ouais, enfin un truc des plus ouf. Ah oui, parce que en fait, du coup, je commence à les connaître un peu les assos. Je commence à me les soloter niveau 20. Oh. Pour le fun. Bon là on est un peu niveau 24 épique ou un truc dans le genre 22 épique. Ah non c'est que 22 ça va. Cool, on peut aller le voir. Oh j'ai plus de balles. Oh putain mais c'est jungler là. C'est fou. Est-ce que tu peux... Ouais est-ce que tu peux le rêver. Si merde. Tu t'es bien remis Simon du coup de la dernière fois ou quoi? Par contre là il y a un gros... C'était pas mal ce petite soirée. Qu'est-ce que c'est que ces gros trucs? C'était moi. Non, tu es... Ah mais putain, les profs, Simon, ils font toujours du social, malheureusement. Mais c'est ce qu'on leur demande de faire, faut pas leur en vouloir, mais... Je te comprends, poulet. Désolé, Taka. Pour, les roquettes lancer dans tous les sens, non, c'est ce que tu en as pas plus que ça. Non mais c'est le festival des roquettes là. Ouais, on s'en ramasse dans le prix. En fait, c'est Itaka qui récupère les munitions pour tes armes à toi. Ah, non, pas ça. Bim, donc, tiens en l'air. Ah bah oui, mais Simon, mais il faut rester à la maison, il faut rester, il faut inviter du monde et tu le sais, il y a la bonne envie et puis t'es le bienvenu et puis tous tes amis sont le bienvenu quoi. Mais c'était sympa là-bas, mais c'est dommage que c'était si court que vous soyez partis si tôt du coup. Comment ne pas toucher le type? Mais on se remettra bien à l'anniversaire. Oh merde! Tout dans le bouclier. Allez. Faites attention, il y a un largage après. Hein. Voilà, ouais, là il y en a des roquettes. Là, on est bien, on est bien. Plus de bus? Quoi, mais y avait pas de bus quand t'es reparti ou quoi, mec? Arrête-toi, vous êtes pas rentré à pied. Même avant? Comment ça? Bah, la discussion qu'on a eue et tout ça, bah ouais. Je me suis rendu compte que. Alors ce week-end, bah écoute, ce week-end pourquoi pas, je crois que j'ai rien de prévu poulet, donc ouais, c'est avec plaisir. Ça va arriver de la droite, Itaka aussi. Hein. Ouais, je vois ça. Pas encore le cas, mais ils vont arriver de la grotte à droite. Là, ça y est, ils sont dans ton cul. Oh, mais il y a l'autre enculé là. Il me met trop cher. Ouais, fais-le après, hein. Toi des ZAD d'abord parce que sinon on va pas y arriver. Aïe, j'ai mal. Oui, je sais, c'est bien. Ah oui, ouais, si vous étiez parti, ouais, tu l'aurais jaunes, pas hein, eu. Les... Ils sont tous jaunes. Ouais, y a que des jaunes, ouais. Vas-y, mais Itaka, si tu veux, t'as qu'à... C'est gratos les retraites aujourd'hui. Ouais, moi aussi, j'en veux bien une.
Ouais, occupez-le là, comme ça je peux le canarder de derrière. Il y a son petit pote là qui me casse les couilles depuis tout à l'heure. Tiens. Je vais te dire un truc mais je sais pas. Bah t'as qu'à couper ton micro Manu. Je sais pas comment on fait. Oh là là, tu dis pas des trucs trop sales. Tu me débranches, y a pas de micro branché, ça va pas envoyer. Vendredi ou samedi, bah écoute, je te dis ça, peut-être pas vendredi, ce serait peut-être plus samedi. Mais samedi, samedi. Après y'a le lancer dans son fin. Motoflight. Il se dirige par ici. Il est rapide. Bon, crevez pas en même temps, s'il vous plaît. Restez pas au même endroit. Il y a combien d'ADS avec lui? Il y en a combien? Et mais il faut que tu te payes une PS4, Simon. Tu viens jouer avec nous. Viens, on est bien. Allez, viens. Allez, viens. On est bien. Ah mais il y a Aléa Jactès en concert en bas là. Il y a un tank. Aléa Jactès en concert. Tu connais Aléa Jactès, les Toulousains, un bon groupe de hardcore bien bien vénère, bien sympa. Moi j'ai arrêté le hardcore il y a un moment. C'est pas bien ça. Moi il ramasse Et il ramasse pas mal en fait, ouais. T'inquiète, j'ai la méthode. Pour l'instant il m'a pas vu. Oula, il nous a fait une petite accélération là de derrière les fagots. Du coup je suis super excité pour ça. Quand tu dis ce genre de phrase après oui, avoir c'est dit très qu'il bizarre. Pas qu'on entend tous les patates. Je suis très excité par cet appartement. Comment je voudrais pouvoir couper le micro mais avoir quand même l'audio de vous dans les bars. Tu te le mets dans le cul, Manu. Désolé, je suis mort, je vais chercher un tank. Là, ils viennent me suggérer de pour modifier l'acoustique de m'insérer cette partie-là de... Ouah, aïe. Oh non, ça c'est dégueulasse, ça c'est dégueulasse. Ben oui, mais c'est parce que c'est il focus depuis tout à l'heure. Il t'a tiré dessus et tu as évité la roquette et moi j'ai tout ramassé dans la gueule. Il aïe, aussi, les graphismes sont riches. Oh putain. Non, non, je me suis bien saigné pour la... qui a dit ça? Quel est l'enfoiré de communiste qui a dit ça? Oh! Et mais non, mais Simon, chope-toi une Play 4, ouais, demande au petit papa Noël de... Putain, le gars, quoi. De te faire un petit kiff. Vous êtes les mêmes, en fait. Attention, je redescends avec un char. Ouais, mais il va très souvent, je pense, parce qu'il est énervé. Oh! Oui, mais qui s'énerve, en fait. Oh, bâtard. Ça, c'est le premier boss qu'on a vu. Ah, dingue. Y en a pour un peu plus de 10 minutes, Manu. Ça peut même bien un peu plus de 10 minutes. Je sais pas, on avance bien là. Ouais, ouais, mais l'autre boss il est long aussi. Ouais, l'autre boss c'est costaud, ouais. Il dort, elle est très vite quand même. L'autre boss c'est celui avec la rotative, c'est ça? Ouais. Cool, je vais vachement plus vite comme ça. Avec ton Sparrow, tu iras vite aussi. Ah, c'est pas cool. Vas-y, casse-toi. Ah non, cul. Ah. Voilà. Et voilà, et c'est ça, boire du rhum en conduisant. Et voilà. Quel enfoiré. Ça, c'est du travail d'équipe. Ah mais tu t'es vraiment planté en plus.